الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Pour commencer, بارك الله فيكم, quand vous voyez du vide devant vous, remplissez le vide. Surtout le vide, pas avancer. Quand il y a un vide entre deux personnes, remplissez ce vide, comme ça les frères qui sont debout puissent trouver de la place, بارك الله فيكم. En fait, quand je le dis, je ne le dis pas par routine. C'est pas pour le fait de le dire. Je le dis par nécessité. Si je le dis, c'est pas juste parce qu'on peut le dire par routine. Avancer dans la cour, faut qu'on avance. Ça, c'est pas le cas. Là, c'est parce que on a besoin. Je vois un vide là, je vois un vide là, je vois un vide là. Et je demande de le faire et faites-le dans la cour. Et compte pour vos frères. D'ailleurs, la porte elle s'est dégagée. Dans la cour. ثم أما بعد فدين الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا الله تعالى به إذ أتمه دينا أكمله دينا وأتمه نعمة ورضيه لنا إذ قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعيش أوقاتا نعيش زمنا يحار فيه الإنسان يحار فيه الإنسان أين أمة الإسلام وأين الإسلام أين هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى رحمة أين هذا النبي وهديه الذي أرسله الله تعالى رحمة قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولكن لماذا حال المسلمين هكذا لماذا حال المسلمين ليس على الهدى المطلوب وليس في الرحمة المطلوبة فيما بينهم والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يكونوا رحماء قال تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منا المطلوب منه أن يراجع نفسه أن يحاسب نفسه أن يسائلها أين الرحمة أين الرحمة في حياتنا أين هذه الرحمة في حياتنا ما مدى نصيبها في حياتنا هذه الرحمة فيما بيننا وبين أنفسنا فيما بيننا وبين أقرب الناس إلينا ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا هذا الأمر. Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce livre, le Coran, comme une lumière, comme une miséricorde, comme il est dit dans certains versets,
et aussi comme une guidée, comme aussi il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde. Allah qui le dit, nous t'avons envoyé, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme une miséricorde pour tous les alamim, tous les mondes, les êtres humains dans toute leur diversité, et même au-delà des humains, les animaux et les djinns aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été une miséricorde pour tous. Et cette miséricorde aussi, elle est dans notre vie, dans notre religion. On ne peut pas être musulman sans avoir de la miséricorde dans notre religiosité. On ne peut pas prétendre être musulman s'il n'y a pas de miséricorde. Le Allah qui nous le dit, subhanahu wa ta'ala, ceux qui font miséricorde à autrui, Allah leur fait miséricorde. Ceux et celles qui font miséricorde et qui observent la miséricorde et qui se comportent avec miséricorde envers les autres, Allah leur accorde sa miséricorde. Et il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les miséricordieux parmi vous ou parmi les humains, le miséricordieux par excellence est absolu, dans l'absolu, leur accorde sa miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous accorde sa miséricorde. Qu'est-ce qu'elle est belle cette expression. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous accorde sa miséricorde. Alors, la question, c'est quelle est la place qu'occupe cette miséricorde dans notre vie? Sommes-nous miséricordieux? Accordons-nous de l'intérêt dans notre vie, dans nos soucis, dans les choses qui nous préoccupent? Accordons-nous la place qu'il faut à cette miséricorde. وكذلك عباد الله نريد أن نتأسى برسول الله وهو واجب. لقد كان لكم يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله nous dit que vous avez en ce prophète un modèle à suivre. Vous avez un exemple, un archétype à suivre pour celui qui aspire à rencontrer son Seigneur et aspire à une belle récompense dans l'au-delà. Or, nous pensons à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À juste titre d'ailleurs, à juste titre, de façon bien entendu louable et vertueuse. Mais est-ce qu'on pense aussi comment suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la miséricorde? Comment on peut suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cet aspect particulier qui est celui de la miséricorde? C'est une question qu'on doit se poser et c'est aussi un souci qu'on doit avoir, car notre religion, la rahma, cette miséricorde, elle est centrale, elle est au centre. Il n'y a pas une sourate, il y a une seule sourate sur 114 sourates qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais sinon, toutes les sourates, elles commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et cette Fatiha qu'on récite tant de fois dans toutes nos prières, combien de fois Ar-Rahman Ar-Rahim est cité dans cette sourate? 4 fois. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est cité dans la Basmala et il est cité encore dans
le deuxième verset et le troisième verset, pardon. Et ça pour nous rappeler l'importance de cette rahma. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiruhu wa huwa al-ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama ويكافئ مزيده سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أولا وقبل كل شيء الرحمة أن يكون الإنسان بنفسه رحيما ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما سبحان الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ne vous tuez pas, hein, ne vous tuez pas car Allah est miséricordieux envers vous. Et combien notre vie, on ne fait que se tuer physiquement et moralement. Le pire, c'est de se tuer moralement en tuant son cœur, en tuant sa sensibilité, en étouffant son cœur, ses émotions, sa sensibilité et cette miséricorde, et aussi par d'autres choses néfastes qu'on ne fait qu'ingurgiter nuit et jour. Qultu أن هذه الرحمة تكون بين الإنسان وبين نفسه ثم بين الإنسان وأقرب الناس إليه. Vous savez que la rahma en deuxième lieu c'est envers son prochain. Et son prochain le plus proche si je puis dire c'est l'époux et l'épouse. Dans la famille, dans le couple, Allah Ta'ala a fait comme nous avons deux pieds pour nous tenir debout et dans une station qui soit en même temps équilibrée et à l'aise. Aussi le mariage et le couple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et parmi ces signes, c'est qu'il a fait entre vous, wa min ayatihi, أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. Il dit parmi ces signes, les signes d'Allah Ta'ala, c'est qu'il vous a créé des épouses de vous-même et il a mis entre vous, dans le couple, mawadda, une affection et une miséricorde. Tout couple, toute vie de famille dans laquelle il n'y a pas un de ces éléments où ces deux éléments ne sont réunis, elle ne peut être une vie de couple comme la veut Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mawadda, l'amour qui d'ailleurs les jeunes notamment se trompent beaucoup ou bien on les fait tromper, on les trompe en leur parlant de l'amour comme étant quelque chose qu'ils peuvent avoir juste par un coup d'œil ou un coup de foudre, etc. Ça, et les scientifiques vous le diront, ce sont des réactions physico-chimiques qui se sont déroulées dans l'esprit de la personne. Ils croient aimer. Non, on n'aime pas du jour au lendemain, on n'aime pas en une seconde. L'amour, ça se construit, ça se bâtit, ça s'édifie entre les deux. Mais sinon, c'est des hormones, la sérotonine, par exemple, qui est une de ces neurones de l'amour, elle est provoquée uniquement par une réaction chimique dans le corps de la personne. Il pense aimer parce que cette sérotonine, elle va suggérer à son esprit un sentiment de jouissance,
de tranquillité, d'apaisement, et en confond ça avec l'amour. Non, l'amour c'est autre chose. C'est quelque chose qui se construit pas uniquement sur la beauté, pas uniquement sur le charme, pas uniquement sur le physique, mais c'est surtout sur une certaine ouverture et en entente de l'un envers l'autre. Du mari envers son épouse et de l'épouse envers son mari. Vous savez, aujourd'hui, le couple, le mariage, la relation entre l'homme et la femme, c'est un des problèmes majeurs que connaît l'humanité. Et on peut beau chercher, on ne trouvera jamais de solution. Il y a des idiots, je dis bien des idiots parce qu'ils sont idiots. Toute personne qui veut parler de cette religion, de l'islam, du prophète, du Coran, par ignorance, même s'il est une célébrité, pour moi c'est un idiot. Parce qu'on ne peut pas accuser cette religion de ne pas avoir accordé une place importante à la sexualité. Il y a la relation entre les deux sexes. Elle est fondée sur ça. Et le Coran est traversé de long en large, de Sourate al-Fatiha jusqu'à Sourate al-Nas, par des notions, par des règles, par des principes, par des valeurs morales et des conduites que doit avoir l'homme et la femme pour vivre leur relation de couple et leur sexualité dans de la meilleure des manières. Allah Ta'ala dit donc dans ce verset « Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma » L'amour et la miséricorde. Par moments, cet amour va baisser et c'est la miséricorde qui va prendre le relais pour rester, pour garder le couple soudé. Et par moments, l'amour va être fort, va être solide, et on n'a pas besoin de miséricorde, enfin, on n'a pas tant besoin de la miséricorde, et le couple reste toujours soudé. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention que la femme doit avoir de la miséricorde envers son mari d'abord. Et le mari doit avoir de la miséricorde envers son épouse d'abord, avant toute chose. Et si cette miséricorde baisse, ou elle est appelée à faiblir ou à disparaître parce qu'il y a de l'injustice, il y a de l'arrogance, il y a de l'égoïsme qui va remplacer cette miséricorde, là le couple, il faut se dire qu'il est sur le point de n'être plus un couple mais seulement une vie entre deux personnes. النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أعطانا المثل أعطانا المثل الأعلى في الحياة الزوجية وقد نبحث يمينا وشمالا حتى هذا العصر قلت حتى هذا العصر ونحن في العصر في القرن هذا الواحد والعشرين لا نجد مثالا في الصفاء وفي الشفافية وفي الإنسانية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. Je disais que aujourd'hui encore au 21e siècle, où on pense connaître tout les vies de façon transparente, il n'y a pas plus transparent. Je dis bien, il n'y a pas plus transparent que la vie de couple du prophète صلى الله عليه وسلم. On connaît tout. Mais absolument, je dirais, tout de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son couple, à l'intérieur, dans la cuisine, sous la douche. Sous la douche. On sait comment se doucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son épouse. Subhanallah. Mais c'est terrible, c'est fou, c'est dingue, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais si, c'est important de savoir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même sous la douche, avec son épouse, parce que c'est un exemple pour nous, c'est un modèle pour nous. L'amusement, il s'amusait avec son épouse en se douchant. Il y en a des récits, un travail énorme fait par des hommes pour préserver ces récits, les authentifier. Et dire, oui, est-ce que c'est vrai, qui l'a rapporté, de qui l'a rapporté, de qui l'a rapporté, etc. Pour dire que c'est un récit authentique. Et voilà comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
parce que c'est important, on a besoin de tout ça. On a négligé tout cela et on se retrouve à chercher de la lumière, à chercher un modèle, à chercher un exemple, à chercher des repères, comment vivre dans notre couple. Revenons à ces deux piliers, la rahma et la mawadda. Revenons à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on verra comment notre vie de couple sera épanouie, sera solide à tout point de vue, sur tous les plans, affectivement, sentimentalement, sexuellement, matériellement et autres. Pourquoi ? Parce qu'on a là, rien n'a été négligé, rien. On ne peut pas, Allah Ta'ala, laisser ce pont important de la vie de la personne, comme aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le laisser comme ça sans nous donner des enseignements, sans nous donner des règles, sans nous donner des orientations. Et Dieu merci, tout cela est déjà dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وحببنا فيه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وبغضنا فيه وارزقنا اجتنابه علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ألف على الخير قلوب المسلمين اللهم اجمع شملهم اللهم وحد كلمتهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام واقفين اللهم احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء حاسدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف الأصحاء منهم وارحم موتاهم آمين والحمد لله رب العالمين.